Et bonsoir à tous les petits amis. Excusez-moi. Bonsoir à tous les petits amis, bienvenue dans l'heure du stream. Et à quoi allons-nous jouer? Vous avez dû le voir dans le titre. Nous allons jouer à Child of Light, jeu développé par Ubisoft Montpellier. Et donc, on avait déjà fait quelques succès, mais comme je ne me rappelle plus du tout du gameplay, ni de l'histoire, on va recommencer depuis le début. Alors, on utilise le UbiWard Framework qui permet à beaucoup de studios de développer ces jeux beaucoup plus rapidement. J'espère qu'au niveau de la musique, vous entendez bien. Yo, Final Squall, la forme? Donc, je sais pas si t'as vu dans la review du... du dernier stream sur Sensei, on a réussi à le platiner. Hein. On a eu les deux dernières répliques dans le même truc, quoi. Et là, on commence Child of Light. Donc, je disais que c'était un jeu développé par Ubisoft Montpellier avec le framework Ouais, ça va un pec. Comment ça va? Quoi de neuf? Depuis le début, toute progression sera perdue. En effet, tout sera perdu. Très bon et très beau jeu. Ouais, j'avais commencé, ça avait laissé plutôt un bon arrière-goût. Et là, je dis comme maintenant, je passe un peu en mode chasse au trophée. Et ben, on recommence. Alors, une expérience de jeu plus corsée. Est-ce qu'il y a des trophées liés à ça? À la difficulté? Je crois pas qu'il y ait de trucs liés. Non, donc on peut le faire en explorateur. Hein. On va pas non plus trop se prendre la tête. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de Lemuria et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ses terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère, la duchesse, était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Okay. Il n'a pas été offert pour un moment avec auprès d'elle à tout le programme Gold. La solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du Vendredi Saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Ça va, pas trop dur la reprise. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. Bah, lundi, t'as repris lundi ou tu vas reprendre lundi? Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais vaine resta sa plainte. Nul doute n'était permis. Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, Aurora est morte. Étrange, elle s'éveilla. Ok. Bon, ça commence bien. Voilà, un peu monde. Il y a une petite présentation. On a l'impression que c'est un petit jeu enfantin, mais ça commence quand même par une mort. Hein. Ah, ok. Et je ne me rappelle plus, tu bosses dans quoi, Tiesto? Ah, l'imprimerie, c'est ça? Tu bosses dans l'imprimerie. Si je me souviens bien. Si je suis pas trop teubé. Donc voilà, notre héroïne est morte et... Ah non, la découpe béton. Oh là là, je me plante à chaque fois, je confonds entre tout le monde. J'ai une mémoire de ce game. La découpe du béton.
La vache, ça fait une sacrée lame. Je crois que c'est une arme cachée dans un RPG, ça. La lame de diamant. Je crois que c'est plus 36 en attaque, ça. Donc là, je ne sais pas où aller, mais déjà, je me fais exploser la rétine tellement c'est beau. Donc, Aurora, avec cette petite couronne. Alors, est-ce que je peux... Ah oui, ok. Est-ce que ça marche si je... Ok. Bon, un peu bizarre au niveau de maniabilité, carré. L'arbre à épines, mais à mon avis, l'arbre à épines, c'est pas par là que je dois aller. Non, ce n'est pas par là. Ah ouais, 2m10. Putain. Ok, ok, donc on peut aller à peu près n'importe où. Enfin, comme quoi, je m'en rappelle plus du tout. Le vieux monastère, hein, je suppose que je dois aller au vieux monastère. Nulle lumière en ses voies, ici les ténèbres font loi. Carré, je peux pousser. Tiens, ça me fait penser au tout début de Limbo, ça. Première chose à faire, pousser une caisse. Ah, ah, et quand il y a de la lumière, c'est que je peux passer. Je pense que je peux sauter sur cette branche. Mais je fais un peu tout, n'importe comment. Donc voilà, ici ça me permet. Mais par contre, donc ça veut dire que ici, oui, c'est de là que les mains. Ok, ok. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, t'inquiète, de toute façon, je prévois de jouer à Destiny. Est-ce que je vais y jouer demain? Je pense que je vais venir jouer demain. Le problème, c'est que maintenant, avec madame, c'est un peu compliqué de jouer. Parce qu'elle me parle beaucoup, c'est pas le problème d'être sur Destiny, mais c'est le problème d'être en partie, en fait. C'est que madame parle beaucoup et donc il faut l'écouter. Et voilà, c'est chiant en fait. J'ai pas envie de faire partager ça avec les autres. Partager la chiantitude de nos conversations avec tout le monde. Oh, mais je suis triste, mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment sans pluie l'eau peut tomber? Qui a parlé? Moi. Chasse donc la rosée de tes yeux. Avant, jeune fille, tu ne me sinois. Hein? Une lucioles qui parle, c'est curieux. J'ai du mal à digérer mon repas. Alors, hop, ouais, l'attaque. Voilà, c'était... Tac. Alors, en ce moment, je varie un peu Destiny, Tezo, Grand Age Medieval et Battlefront. Ouais, bah voilà, moi, je platine mes jeux, je joue à Destiny, et après, je vais un peu varier les supports. Mais ça, j'en parlerai après, on va découvrir un peu le jeu, puis à la fin, quand on pourra sauvegarder. Mais ouais, t'as la même à la maison. Je vois pas en quoi le fait de mal digérer son repas fait que... Dis-moi. Dis-moi, je cherche mon chemin. Connaîtrais-tu une Aurora? Oui, ce nom est le mien. Comme par hasard le hasard. Oui, non. Ah, oui, non, qu'entends-tu par là? Bien étrange réponse que voilà. Voyons. Cesse tes sottises. Et à moi, Aurora. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit? Viens avec moi. Une dame atteint. Ses cheveux tels une rivière, la peau diaphane et les yeux brillants. Une voyante.
Elle fera cesser ce calvaire. Allez. Visiteur pour déplacer. Ah ok, je peux déplacer Lulu la Luciole. Et si je rentre en contact avec la nana, ben ça cogne. Ah, quand je cogne avec tout en fait. Bref, bref, bref. Continuons. Ouais, il peut rentrer en contact avec beaucoup de choses. Hein. Hop, on saute. C'était un checkpoint, je crois. Des vœux de lumière dans l'ombre de la nuit. Tu as tout à fait raison, ça fait du bien. Puisqu'en fait, tu vois, limite, en ce moment, j'ai un peu de mal avec Destiny. J'ai un peu de mal, je sais pas, là, je sature, le fait en plus je voulais faire la bannière de fer jusqu'au bout et au final avec la maintenance du PSN ça m'a carrément ruiné le moral parce que le but c'était d'avoir quand même la panoplie complète de la bannière de fer et en fait j'ai pas pu le faire à temps donc je suis dégoûté, je vais devoir attendre je sais pas combien de temps avant de pouvoir avoir le casque. Ça me saoule. La porte est bloquée, misère! Un sceptre rond, une sphère sans couleur. J'ai trouvé la clé du mystère. Lucien, allume ton postérieur. Ouais. Eh bien, comme tu y vas. Obéis et tout s'expliquera. Alors, assemblant les symboles sans tarder. Donc, au début, lui, il me dit de faire. Hop, et je fais. Ok, ok, ok. Faut le recharger, j'ai été trop mou. Encore, oh là là, la maniabilité au stick de mes couilles. Voilà. C'est clair. Tu as raison, trop de destinée, tu destines. Hein. Pourtant, avant, j'étais vraiment accro et je pouvais pas lâcher, mais là, ça fait vraiment depuis un an que je jouais à fond. Il reste une âme égarée. La dame de la forêt à n'en pas douter. L'épée de Mathildis, tu dois t'en emparer. Ta 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 ta. Oh non! Par chance, ce rêve m'a pourvu d'une épée. Alors! Tac! Je choisis mon action. Alors, je veux. Alors, c'est un temps d'exécution moyen instantané. Ah ok, et il y a ça sur le côté pour me redonner. Oui, un petit coup dans la couronne. Et je l'ai vaincu. We did it. Bon, le combat, c'est pas mal.
droite, le vieux monastère. Ok. Tac. Là, je peux faire une action. De France. Voilà. Pas mal. Point de compétence. Alors, qu'est-ce que ça fait? Exécution longue. Je ne sais pas vers quoi m'orienter. On va commencer par le petit bonus, hein. Waouh! Ok, il y a une vilaine sorcière là-haut qui apparaît. Alors, est-ce que ça va être attaque surprise? C'est bon, ferme la validée. Tac, on positionne. Parfait. Oh bah, mort en un coup. Ah bah oui. Ni no Kuni, ça a été une référence, et d'ailleurs quand j'aurais réussi à retrouver mon câble d'acquisition pour la PlayStation 3, je prévois de le platiner, hein. J'étais à la fin, j'avais obtenu la voiture, tout ça. Bah pour maintenant, il faut que je fasse toutes les quêtes annexes, bah, les quêtes annexes qui me manquent, hein. Normalement il doit en manquer qu'une sur ni no Kuni, et je vais le faire à fond dans le but de préparer l'arrivée de ni no Kuni 2, hein. Alors ça va être la vie, quoi, le retour à la vie. C'est l'histoire de la vie, ni no Kuni, le cycle éternel, où chacun peut vivre, je sais plus, c'est quoi, ça, vivre sa vie au soleil, hein, je sais pas, le roi lion, quoi. Je te saute dessus. Alors là, il y en a deux. Bim, t'es mort. Ah bah, tu m'étonnes, pas. Tu m'étonnes que t'as hâte de voir le 2 arriver. Pour moi, c'est le meilleur RPG de la PlayStation 3. Ah, je l'avais pas vu, j'ai pas fait gaffe à ce coup. Embuscade, allez, carrément. Bon, bah, c'est son rôle de leur attaque, hein. C'est pas non plus ça qui va me faire trop mal. On va juste éviter de se prendre des coups. Bon, c'est pas mort. À fond pour pouvoir buter le 2. Ouais. Pour récupérer des points de vie, des points de magie. Bref. Qu'est-ce qu'il y a si je vais encore plus par là? Il y avait un coffre.
me permet juste de m'éclairer, hein. C'est pas non plus. Je vais te pousser, Kies. Ah ouais, putain, Ni no Kuni, le scénario était bien. Le monde, de façon Studio Ghibli, incroyable. Incroyable, vraiment incroyable. Ça m'a pris, et franchement, je l'ai fait. J'ai tellement adoré que je l'ai fait en une semaine, le jeu. Alors, j'ai quand même réussi à le savoir parce que, à ce moment-là, le chômage aidant, j'avais pu aller jusqu'au bout, mais non plus. On est déjà niveau 4, on a plein de points de compétence, c'est assez. Alors après, on va pouvoir voler, je me rappelle. Ça va être vraiment beaucoup plus pratique, hein, de voler. Ah oui, mais oui, oui. Et maintenant, la Reine de Lumière, chapitre 2. Aide-moi, Aurora. Oui, oui, t'inquiète. Je vais faire mon possible pour te venir en aide. Hein. Bonjour monsieur l'oiseau avec un chapeau. Ok. Voilà, hop, il va se faire fliquer. Ouais, c'est Studio Ghibli, Miyazaki, franchement. Ils ont assuré là-dessus. Puis level 5 à chaque fois, c'est ceux à qui on doit Inazuma Eleven. Le professeur Layton. Donc on peut s'attendre vraiment à quelque chose de bien péchu déjà dès le départ. Il n'y a pas vraiment de question à se poser sur la qualité des jeux qu'ils arrivent à nous sortir. Action, défense. Et Tezu, franchement, j'aime pas beaucoup Tezu en fait. J'adore tout ce qui est Skyrim. J'ai adoré Skyrim. Mon préféré, ça a été Morrowind. Et là, après, pour dire, j'ai pas été emballé par le MMO, quoi, vraiment. Mais bon, faudra que je le fasse, hein, il est dans mes trophées, donc j'ai obtenu un trophée, donc maintenant, une fois que ça a commencé, il va falloir que j'avance bien, pas le faire à 100%, c'est sûr, mais au moins bien avancer. Battre. Ah ouais, carrément. Ouais, bah après, c'est pas non plus pour les dégâts que je vais prendre. Allez, on va limite faire ça bien. Ouais, vulnérable à la magie. Mais, est-ce que j'ai déjà des magies? Non, et encore, je devrais utiliser mes points de compétence. Donc, après on va monter, utiliser nos points de compétence pour gagner en magie.
Compétences. Alors, on me propose une magie longue, une magie très longue. Pense qu'on va faire ça, on va pas. Pas non plus me spécialiser. Ouf. Ah oui, j'en ai plus. Oculi. Fabriquer Oculi. Et je n'ai pas d'objet pour fabriquer des Oculi. Alors que j'en fabrique. Ok, menu relativement clair. Je ne sais pas ce que sont les Oculi, mais à mon avis, ça va être des objets qui vont m'aider à progresser dans le jeu. Ah, par contre, je ne peux pas m'accrocher. On est chez Ubisoft et je peux pas m'accrocher au mur. La porte est bloquée. Passe une bonne soirée. Et comment dire, bon courage pour le devoir familial. Et sinon, je ne sais pas si je pourrais trop jouer ce soir, mais sinon, peut-être à demain sur Destiny. Voilà, merci d'être venu au moins. Ça fait toujours plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée et à demain, donc. Ciao l'ami! Allez, couche-moi cette caisse. Voilà, parce qu'elle nous disait que la porte était fermée, donc forcément. Hop. Voilà, hop, on se met derrière. Donc tout de suite. Voilà, ralentir pendant tout un tour. Juste le temps que je puisse balancer. Ouais, très long, c'est pas non plus. Oblitération, bim! C'était par là qu'on allait. Ici, on a une porte. Passons par cette porte. On fait un peu tout n'importe comment, mais. Avec un peu de chance, on fait les trucs bien. Alors, petite énigme. Comment faire pour monter? Les oculis illuminés. Je vais essayer. Et hop, il est éclairé ça. Super. Découvrons un peu toutes les subtilités du gameplay. Voilà, je suis ici. Et on va m'apprendre que je peux aussi tirer une caisse. Donc je ne suis pas obligé de la pousser. Et c'est bien fait, puisqu'en fait il y a des poignées de chaque côté. Ah, parce que le nombre de jeux au niveau du level design, on ne nous précise pas qu'on peut activer. On peut pousser et tirer les caisses. Ça va? Ah. Allez, on a compris ton subterfuge, Mystique.
va plutôt laisser le chat comme ça. Ça va être bien plus enrichissant pour tout le monde. Est-ce que je pourrais la battre, la garde? Oui, ça, c'est juste une... On va faire une petite... On va rejoindre... Je vais te taper! Est-ce que j'augmente le bonus de force ou défense? Je pense que la magie peut être bien pratique. Non, on va lui mettre ça. Enfin, la défense niveau 2 après, c'est-à-dire que mon coup de bouclier va être plus enrichissant. Ma protection va être plus puissante. Donc j'encaisserai moins de dégâts quand je me protégerai. Oh. Toute la magie du cinéma. Ah oui, ok. Voilà. Voilà, tout le monde pour le bleu. Où qu'elle soit, c'est vraiment au second plan, la lumière finira toujours par éclairer quoi qu'il arrive. Comment oses-tu défier la reine de la nuit? Une petite chose aux cheveux de feu. De Mercure. Renforcement musculaire. Et loin de moi. Et hop. Un
fait là j'ai que l'entaille. Ou critique. Tac, action, défense. Recule, déjà recule. Et voilà, parfaitement maîtrisé. Bon, c'est bien en fait. Poudre de magie. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les mécaniques de gameplay s'assimilent assez rapidement. Et elles vont être ajoutées au fur et à mesure, une par une. Afin de ne pas trop nous en balancer. Une vision, prends ma main, mon enfant. Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux pics enneigés. La nuit, des châteaux en ruine prenaient vie sous les feux d'albâtre, de la lune montante et des astres. Sur ce lieu régnait une reine de lumière. Belle et radieuse comme l'aurore, la nain dans son palais, solitaire. Puis une nuit, d'elle il n'y eut plus trace. La reine avait disparu, et avec elle son éclat. Ainsi les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrice Umbra, qui chargea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit survint. Oh l'infortune! Les créatures d'Umbra envahirent les Moria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. Lémuria, le pays des Lémuriens. Je suis sûr que ce soit une blague en plus. Madame, pour cette histoire, merci. Je sais pas si je fais la même voix. Je souhaiterais mes meilleurs présents. Mon récit t'a-t-il donc endormi? Je n'ai rien inventé, mon enfant. Tout autour de nous s'étendent les Lémuria. Rien de ceci n'est un rêve, Aurora. L'aile seule issue un lien magique, un miroir derrière le trône, volé par Umbra la reine maléfique. Pour enfin rentrer chez toi, tu devras chasser l'obscurité, avec les étoiles, le soleil et la lune pour allier. Non, impossible, mon père m'attend. La Luciole a dit que vous m'aideriez. Pourtant... La Luciole a un nom. Reprends courage, voyant. J'ai créé Iniculus pour t'aider. Un insecte minuscule, quelle idée. Jamais je ne pourrai rapporter les étoiles, le soleil et la lune. Courage, tu peux y arriver. Pour le soleil et la lune, vise l'endroit le plus haut et le plus bas. À l'endroit d'où tu viens, il faut retourner. Passer l'autel sur lequel le séjour tu t'éveillas. Franchis un arbre noué aux épines affûtées. Et réunis les camarades au fil de tes pas. Et les étoiles, pauvre de moi. Comment atteindre les cieux? Cher enfant, la réponse est là, au-dessus de toi. Ouvre les yeux. En plus, elle est con. Oh, une lumière, une étoile. En fait, Child of Light, c'est comme Mario, tu récupères une étoile. C'est extraordinaire. Il est qu'ils aillent comme les fées ou les insectes. Tu es enfant de lumière. Écoute-moi bien, cette couronne enchantée, vois-tu,
Sur ta tête, toujours elle doit rester, c'est entendu? Une dernière chose avant de m'en aller. Si jamais l'espoir venait à te manquer... Merci. À quoi sert-elle exactement? Navré, je ne t'entends plus, mon enfant. Adieu, Aurora. Adieu. Oh, attendez, je... Tu dois savoir, mon père, il va bien. Hormis la nuit, je n'ai plus rien. Bitch, please. Appuie sur X pour voler. Ok, je vole. Ne pleurez pas, maman. Se languissait des siens, une famille la croyant perdue, dans sa quête du soleil, de la lune, et d'un père de chagrin éperdu. Et quelque part dans la nuit, sur un trône ne lui appartenant pas, l'usurpatrice Umbra brûlait d'éteindre la flamme d'Aurora. Ouais, on va s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Quel bonheur de voler, c'est... plaisant. Ok. Vers l'ouest. Ok, bon, ben d'abord... Dans la gauche, je dirais les gens des ordres. Ok. Confession. Les siècles nous sont défavorables. Dans leur temple, les dieux s'évaporent. Endormis, le palais vit-il encore? Les portes closes, les salles insondables. Oh! Sous la rouille, le trône de Rectis. Ah, à la Fort Boyard. Sous la rouille, le trône doré disparaît. Les hauts murs revêtent un voile austère. L'histoire se dissimule sous la poussière. Miroirs et verres voir leur éclat passer. Les explorateurs de pierre me disent mot, leur tête aussi vide que le château. L'image d'un futur coloré s'estompe. Sans volonté l'immaculée ternie, le passé s'impose poussant à l'oubli et faisant surgir la menace d'une tombe. Mais c'est profondément de la merde ce que tu racontes! Ouais, bien, mais je peux point. Oui, attends deux secondes. Je sais que tu vas te joindre à moi. Esquive Moldave. Tac. Alors, je vais commencer tout simplement par la flash stellaire. Ah, ça va me faire reculer! Ah non, bonus de vitesse. Vas-y. Tu maintiens. Poussée de croissance, c'est pas grave, il attaque encore, il monte encore. Allez, donne-moi de la matière. Oh oui, il bat très très vite, hashtag ça va vite. Ah
Ça, voilà, ça me prépare déjà. Ok, ça me protège vraiment pas que d'une seule attaque. Ça fait vraiment tout un cycle. Eh, ça prend fort cette saloperie. Dégâts 30 et vulnérabilité à la lumière. Easy. C'était facile. Et donc là-haut, nous avons notre ami ici qui est triste. Excusez-moi. Harlequin. Jeune fille. Auriez-vous aperçu les ballons colorés, les licornes montées sur des échasses ou de splendides tentes à rayures? On dirait Stéphane Bern en femme, je crois, parce que je crois que c'est une femme. Non, c'est un homme. Voulait-elle dire rayée? Tout cela me dépasse. Ma parole! Il m'a abandonné, ce coquin. Alors, il m'a abandonné, ce coquin. Donc, c'est bien une fille. Madame, vous feriez pas un harlequin? Regardez ce que m'a écrit ce fripon. Voulez-vous dire vaurien? Que sont ces gribouillis? Je n'y comprends rien. Eh bien, Luciole, c'est du latin. Tu n'as jamais fait de latin à l'école? Dans l'école des Lucioles? Ma chère sœur Rubella, la nuit est tombée sur notre terre. En fait, enfant, l'on doit se tenir droit et fier. Et là, sans éviter la moindre seconde, il faut jongler avec le poids du monde. Et si l'on glisse et tombe aux portes de la mort, se relever bien vite et n'en fait encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. En bref, rire ou ne pas rire, telle est la question. La réponse est simple. De mon cœur, je prends la direction et rejoins le cirque itinérant dans les plaines, avant son ascension. Ma sœur n'y voit surtout aucune malice. Ton frère Tristis. Oh, Tristis a sonné le glas de notre duo. Je suis toute déboussolée. Il a quitté Rubella sans un mot. Moi, la chanteuse la plus talentueuse. Ou la plus douée. La vraie. Nous avons une affaire à régler. Et ne pouvons-nous nous attarder? Jeune fille, puis-je vous accompagner? Vraiment, ce serait fantastique. Mon frère, je dois le trouver. Pour sauver notre numéro burlesque. Non. Non, voyons, comique. Sachez que la route sera périlleuse. Parfumé de créatures curieuses. Putain, ça arrive à chaque fois. Je suis une acrobate confirmée. Vraiment, inutile de s'en faire. Ne s'inquiétez. Rubella a rejoint le groupe. Cette porte est verrouillée.
Verrouillé, je ne verrouillerai plus jamais. Des oculis sur l'équipement, tu peux améliorer les statistiques du personnage. Fabriquer oculis. Eh oui, mais j'en ai plein. Astucieux. Compétences. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oh, Rivera a plein de points. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec quel chemin on lui fait prendre? Tac. Oui, c'est loin. Allez, tac. Bon. Vu l'heure, je pense que sur ce combat, parce que nous allons tester Rubella. On va arrêter de streamer là. Ok. C'est vraiment très inutile. Ah non! Mais non! Et quel con, je lui ai pardonné ses points de vie. Vite, une résurrection. Bim! Tac, alors toi tu vas tout de suite faire une frappe sur lui, et toi, ça va te faire une frappe sur lui aussi. Interruption. Bim! Je ne me suis jamais autant amusé. Si elle est sûre que n'était pas mon destin, avec une belle carrière à la clé, je resterai avec vous, c'est sûr. C'est certain, ou plutôt certain. Voilà. Navré, mais je ne peux rester. J'ai un public à divertir. Assurément, vous vouliez dire amuser. Mais en fait, elle s'est pas rimée. Je pense que tout le monde parle avec les doux. Notre périple, nous devons continuer. Parce que sinon, enculer certains jeunes. Alors. Point de sauvegarde, je dois trouver. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de point de sauvegarde, ça sauvegarde automatiquement. C'est verrouillé. Et ici, nous allons nous arrêter pour l'heure du stream. Alors, j'avais quelque chose à vous annoncer. On va avoir une nouvelle matière pour travailler. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver, avec les soldes, hein, la console Madcat Mojo, qui est une console sous Android, que je vais m'amuser à brancher tout à l'heure, et qui va nous permettre de jouer à tous les jeux disponibles sur le Play Store. Et je pense que ce week-end, on va commencer, on va tester, on va voir, vraiment, hein, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'on va tester. Je pense qu'on va tester, alors on a du Mario Maker, on a du Bayonetta, on a du Dragon Quest 1, parce qu'il est vraiment à un prix réduit sur un... Android, et en même temps on va tester un peu le stream avec cette console. Donc on verra, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à prévoir. Vraiment, on a de la matière, c'est sans fin. Donc j'ai reconnu ça. Est-ce qu'il faut que je fasse une vidéo d'unboxing? Non, c'est l'unboxing, c'est pour les cakes. Donc sur ce, oui, donc j'ai eu à 50%, hein, ça coûtait 140 euros, j'ai eu 149 euros, j'ai eu à 75 euros. C'était plutôt une bonne affaire, sachant que ça se trouve encore à 110 euros sur Amazon, j'ai pas envie de le revendre. Je pourrais me faire une petite plus-value en le revendant, mais je le ferai pas. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine heure du stream ou pour un stream sauvage. Allez! Ciao les amis.